bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine de la rédaction de KTO, Hors les Murs. Ils ont choisi de porter les armes de leur pays, pour leur pays. Ils peuvent donner la mort légalement lors d'opérations. Et leur mort et celle de leurs camarades est une hypothèse de travail. Un don de leur personne que nous a rappelé récemment le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame lors des attentats de Carcassonne et Trèbes, une figure du soldat qui refait partie du quotidien des Français avec le retour du terrorisme sur notre sol. Du 18 au 20 mai dernier, durant le week-end de la Pentecôte, ce sont 15 000 pèlerins, militaires, civils des armées, leurs familles, d'une cinquantaine de nations qui se sont retrouvées ici, à Lourdes, pour le 60e pèlerinage militaire international, une rencontre unique au monde pour œuvrer et prier pour la paix. Grâce à nos reporters et nos invités, vous allez découvrir ce qui se vit au PMI et ce qui fait également le métier de soldat où la foi n'est pas absente. Et parmi les pèlerins qui participent au PMI, de nombreux élèves d'écoles militaires et de jeunes soldats de plusieurs pays. Ils sont logés au camp militaire international, ici à Lourdes, sur les hauteurs du sanctuaire, au programme Discipline, Rencontre et Fraternité. Rassemblement ! Dernier préparatif pour ces jeunes militaires français, ils s'apprêtent à sortir du camp. Direction le sanctuaire de Lourdes. Pour nous, Lourdes, c'est un point de ralliement obligatoire pour tous ceux qui exercent leur foi. C'est un point de passage obligé. Ce matin, Julien et ses camarades sont plutôt fatigués, une fatigue justifiée. Voilà, le soir, on fait la fête avec différentes nations. C'est une manière aussi de pratiquer l'anglais. Élève à l'école militaire de Sainte, Yann a 19 ans et partage entièrement les valeurs de cette vie au camp. Cohésion, partage, respect, respect mutuel et oui, fraternité même, je dirais. Fraternité, c'est le maître mot pour les 1600 soldats et élèves militaires réunis ici lors du PMI. Le but du pèlerinage militaire, c'est de permettre à des militaires de beaucoup de pays et de nationalités différentes de se retrouver pour prier pour la paix. Donc ça, ils le font dans la journée quand ils sont au sanctuaire avec le programme spirituel du pèlerinage. Et donc ce partage est un moment où il est spirituel, mais il y a aussi un moment où il faut qu'il soit physique, il y a aussi un moment où il faut qu'il soit incarné. Et en fait, cette amitié, c'est ici le soir qu'elle va s'incarner et c'est ici que ça va se vivre, si je puis dire, en chair et en os. Ici, 12 nationalités sont représentées. Des Croates peuvent côtoyer des Suisses et des Polonais. Et ce soir-là, c'est avec des Allemands que ce groupe de Français va se lier d'amitié. I like that I can learn about how other nations in their military like do their things. So you have different rank codes, different traditions, and talk about this and maybe exchange a few things. That's what I like. Sur la délégation des 800 militaires allemands présents au PMI, 200 d'entre eux dorment au camp. C'est aussi le cas de Basile, un soldat franco-allemand protestant. Que les soldats soient catholiques, protestants, voire même athéistes. Vraiment, tout le monde a participé à chanter, à prier ensemble. Et ça forge, ça renforce la camaraderie et l'esprit de corps. Un esprit de corps qui est aussi présent lors des repas. Dans cet ordinaire de campagne, Jean-Luc prépare ce soir 800 plats pour des élèves d'école militaire. Ouais, c'est bon. Dans la Koubaya rouge, il y a encore des plats. Il faut les passer en service de suite. Alors ce soir, ils avaient du risotto, poulet, cèpe et des pâtes bolognaises. Chez nous, c'est la bolognaise qui a primé pour les élèves. Ailleurs, c'était le risotto. Une organisation bien rodée, saluée par les camarades des autres nations. It's a beautiful place. The soldiers that arrived before us, they do a lot of work. I think the experience here is this good because of those people that arrived before us. And they build up all the tents, they get you everything you need. The logistics are very good. C'est vraiment fabuleux, quoi. Être à l'hôtel, c'est clairement, on a la possibilité, mais c'est pas, ça m'intéresse pas. Clairement, le camp, c'est une manière de faire, c'est une autre manière de faire le pèlerinage. Vous m'entendez au fond? Ok. Donc en gros, on est très très fiers de vous. Les chants, les pas, tout ça, c'était super. Garde à vous!
Pour le Padre, 1-3-4-5 Repos. Sans la foi, il n'y aurait pas, du tout de PMI. C'est mon troisième PMI et ce sera pas du tout le dernier. Et je viendrai pendant très 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 longtemps au camp encore. Un bilan positif et une envie de revenir partagée par tous ces soldats qui repartiront du camp avec le genre de souvenirs et de chants qui traversent le temps. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais, mais mon petit cœur. Bonjour Père Arnaud Béronne. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de ce pèlerinage militaire international. Vous êtes également, bien sûr, aumônier militaire et notamment des forces sentinelles. Alors ce PMI, c'est énormément de délégations militaires avec leurs familles qui sont présents. Il y a les musiques, il y a les uniformes. C'est un événement finalement unique au monde. Comment est née cette intuition ? Alors, c'est tout à fait vrai, le PMI est un événement unique au monde, puisque c'est en même temps un grand événement du ministère des Armées et aussi un grand événement spirituel. Cette intuition, elle est historiquement à Lourdes. Il y avait un monument qui avait été édifié après la Première Guerre mondiale, où, dans le style de son époque, on priait pour les morts des guerres. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, deux aumôniers, un aumônier français, un aumônier allemand, décident ce rassemblement. Il y avait déjà un rassemblement à Lourdes de l'armée française. Et là, ils décident de le rendre international. L'évêque de l'époque, de Tarbes-Lourdes, dit « amener l'armée à Lourdes ». Alors, amener l'armée à Lourdes, c'est pour que des hommes qui sont avec des armes pour défendre leur pays, eh bien, viennent se ressourcer, viennent prier, viennent rencontrer la Sainte Vierge et aussi se rencontrer. Donc c'est le triptyque fraternité, paix, espérance qui est martelé encore aujourd'hui, mais qui est déjà vraiment dans cette réflexion de ces aumôniers qui ont connu la guerre, qui ont connu les horreurs du nazisme, du communisme, et qui se réunissent dans ce lieu, au lieu spirituel français, qui est très spécifique à la France, mais qui est très connu aussi dans le monde entier. Alors ensuite, ce PMI va être institutionnalisé en 58, c'est le 60e pèlerinage militaire international cette année. Mais alors justement, vous parliez, on amène l'armée à Lourdes. Comment on dépasse ici, j'ai envie de dire, ce paradoxe ? C'est-à-dire ces soldats qui servent leur patrie, qui portent les armes de leur pays, et en même temps qui se retrouvent ici en toute fraternité, au fond. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est en même temps des hommes, des femmes, de toutes les armées de plus de 40 pays qui décident de prendre 3 jours pour se rencontrer, pour rencontrer la Sainte Vierge, pour prier, pour être ensemble. Mais à Lourdes viennent aussi des gens non pratiquants, des gens non croyants, des gens d'autres confessions, hein, qui viennent dans ce lieu unique, qui est très spécifique, dans les schémas mentaux des Français et des gens qui habitent l'étranger. Lourdes, c'est vraiment un lieu à part qui est connu au-delà de la foi chrétienne. Et donc, du coup, c'est important. L'année dernière, vous voyez, par exemple, les aumôniers français du culte musulmans ont assisté à la cérémonie d'ouverture. C'était pas une cérémonie cultuelle, mais symboliquement, Monseigneur Ravel, notre ancien évêque, avait voulu qu'il y ait cette représentation des aumôneries musulmanes françaises pour symboliquement montrer qu'on pouvait accueillir celui qui n'a pas la même confession. C'est aussi le dialogue interreligieux au pèlerinage militaire. Oui, alors on en fait, notamment pendant la conférence débat des autorités. Cette année, vous voyez, par exemple, chaque pèlerin, ça a été décidé à l'international, donne 1 € pour l'œuvre d'Orient. Hein, puisque vous verrez, il y a des affiches, nous sommes en lien étroite avec nos frères, les chrétiens d'Orient, pour montrer qu'à Lourdes, bien sûr, tous les pays peuvent venir. Certains ne peuvent pas pour des raisons de guerre ou de conflit. Cette année, par exemple, pour la première fois, un pays qui est encore victime de souffrance, la RCA, il y aura une petite délégation de RCA qui viendra. Père Arnaud Béronne, avant de vous laisser à votre charge qui est importante de travail sur ce PMI, une dernière question, au fond, en quoi l'intuition de ce PMI, cette vocation, est-elle toujours valable aujourd'hui, est importante aujourd'hui dans le contexte que nous vivons ? Aujourd'hui, je ne vais pas faire de géopolitique, mais nous sommes dans un contexte compliqué pour notre pays, pour notre monde, pour l'Europe. Ça a du sens qu'en 2018,
des jeunes et des moins jeunes se réunissent pendant 3 jours, prennent sur leur temps de repos, sur leur travail, avec l'autorisation de leurs autorités, pour se réunir à Lourdes. Fraternité, paix, espérance, c'est hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire qu'on prépare l'avenir. Alors, on n'est pas en train de deviner l'avenir, mais on prépare l'avenir. Ces jeunes qui sont dans des lycées militaires, eh bien, veulent peut-être devenir militaires, non pas pour utiliser leurs armes, mais pour défendre la paix. À Lourdes, on prie pour la paix, on travaille pour la paix. On peut être militaire, avoir une arme et être un homme de paix. Hein, et comment ne pas penser à la figure du colonel Beltrame il va y avoir une cérémonie internationale qui va prier pour lui. C'est une figure qui dépasse l'aspect français. Le Saint-Père, texte de bénédiction du PMI, mentionne le colonel Beltrame, qui est un exemple pour chacun. Alors, on n'est pas tous appelés peut-être à donner notre vie, mais il y a du sens. Hein. Les armes, bien sûr, peuvent tuer, mais les militaires aussi peuvent porter les armes de lumière, qui sont les armes d'espérance. Donc, l'espérance, c'est chrétien, bien sûr, mais ce triptyque fraternité, paix, espérance, il sera repris par nos autorités civiles et militaires, parce que c'est un triptyque que chaque homme, logiquement, quelle que soit sa religion et son âge, eh bien, veut déployer. Le thème de cette année, c'est Pacem in Terris, donc paix sur la terre, un document du pape Jean XXIII. La lettre encyclique, en effet. La lettre encyclique du pape Jean XXIII, donc qui est toujours qui est de son époque, mais qui est toujours d'actualité. Et nous sommes invités, chacun, quel que soit notre grade, notre âge, nos responsabilités, à œuvrer pour cette paix. Merci, Père Arnaud Véronne. Merci à vous. Alors, nous venons de parler de paix, de réconciliation, de guerre également. Ici, à Lourdes, toutes les délégations militaires font mémoire de leurs morts, des morts tombés au combat ou en dehors des théâtres d'opération, de leurs sacrifices au combat. Un temps fort du PMI. Dans cette dernière année du centenaire de la Grande Guerre, nous pensons aux 9 millions d'hommes et de femmes qui perdirent la vie entre 1914 et 1918 sur l'ensemble des fronts. C'est le devoir de chaque peuple de se souvenir de ses anciens. C'est le devoir de chaque peuple de rendre hommage à ses soldats morts au combat. Le PMI est une histoire de rencontres. Rencontres avec Dieu dans le silence de la prière et les célébrations. Rencontres avec les autres. Cette rencontre, elle se vit aussi dans les muscles, dans l'effort physique, au cours du Challenge international des blessés et valides, où les militaires valides servent leurs camarades blessés d'une blessure physique ou psychique contractée hors des théâtres d'opération ou au combat, un dépassement physique au service des blessés. Allez, je suis chaud patate là, on va gagner. Erwan fait équipe avec des militaires rugbymen, le 15 du Pacifique. Le challenge du 60e PMI vient d'être lancé. Son principe est simple, réaliser 4 tours d'un parcours d'un kilomètre le plus vite possible. Le tout en réussissant au mieux les épreuves sportives qui parsèment le chemin. Au programme par exemple, un petit jeu de pétanque, des pompes, vas-y, descends. Ou encore un attrape-balle à l'aveugle. Derrière toi. À droite un peu. En bref, des jeux qui nous laissent admirer toute la fraternité entre valides et blessés, qu'importe la nationalité ou le corps d'armée. Ça va ? T'habites bien ? Ouais, ça va. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est beaucoup plus sportif, c'est beaucoup d'obstacles, c'est pas mal. C'est très intéressant pour tout le monde. Ça redonne un peu le goût de l'effort. Tout le monde se donne à fond, là, c'est super. Il y a 3 mois, Erwan subissait un violent choc en opération extérieure au Mali. Dès que j'ai été blessé, la première chose que je me suis dit, c'est je suis en vie, j'ai la chance d'être en vie. Peu importe ce que j'ai, je suis en vie et ça je le dois à une seule personne, c'est à notre Seigneur. Quand je suis arrivé en France, j'étais complètement tétraplégique, j'avais des difficultés à parler. Et j'ai assez rapidement retrouvé l'usage de mes bras et progressivement je retrouve l'usage également du tronc et des jambes. C'est pour ça que j'ai de nombreuses séances de kiné par jour, chaque jour,
pour pouvoir me remettre au plus tôt sur pied et reprendre le travail. Emmanuel est un autre blessé du challenge et cherche lui aussi à se remettre complètement sur pied. Il y a 10 mois, il était encore dans le coma. 2, 3, 4. Accidenté de la route, ce militaire de 27 ans parvient à quitter l'ombre pour la lumière. Depuis, il réapprend peu à peu à vivre, tout en restant le même malgré son difficile combat. Toujours joyeux, toujours le sourire, toujours la banane. Et voilà, c'est moi, tout moi. Lors de notre rencontre, il attendait le challenge du PMI avec impatience. Ça va me permettre de me défouler, de me surpasser physiquement, faire beaucoup de choses, me déplacer, ramper, tout faire, sortir toute mon énergie, donc c'est cool. Et comme promis, Emmanuel y a mis toute son énergie. Allez Manu, c'est bien. Allez Manu. Allez. Vraiment, vraiment. Moi, il m'a fait pleurer. ouais, il m'a fait pleurer. Il a fait pleurer beaucoup de monde dans l'équipe. Il a une force intérieure, c'est incroyable. Il est optimiste dans toutes les circonstances. Nous, parfois, on se plaint pour des petits bobos. Et lui, il est en fauteuil et il arrive à se lever. C'est vraiment l'odyssée d'une renaissance. Et ça se poursuit. Le chemin n'est pas fini. Mais il a déjà tellement avancé depuis le mois d'août de l'année dernière qu'il m'édifie par son courage et, comme disaient les gendarmes, sa bonne humeur et son sourire. Le courage de nos soldats, une vertu d'ailleurs saluée par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Je suis ici d'abord pour dire ma gratitude à chacun, pour encourager les blessés dans leur reconstruction et leur dire la gratitude de la nation pour leur engagement et pour ce qu'ils ont fait. Nous les accompagnons toujours et nous continuerons à être à leur côté et je suis venue aussi passer ce message. Et à l'issue du challenge, du côté d'Erwan comme celui d'Emmanuel, le message délivré est le même. Ne pas lâcher, garder la foi. La vie vaut le coup d'être vécue et on ne se rend jamais suffisamment compte lorsqu'on est valide quel bonheur c'est de pouvoir marcher sur ses deux jambes. Et peu importe qui a gagné, l'objectif dans le viseur du PMI, c'est avant tout de partager. Que l'on soit valide ou blessé. Le PMI rime donc avec la fraternisation, celle du challenge international des blessés et des valides, mais aussi avec la joie et la fête rythmée par les musiques militaires, des musiques ici à Lourdes qui ont leur festival et leur défilé. La musique de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre rôle essentiel, c'est assurer tout le cérémonial militaire propre à notre institution, participer de façon active à la vie du corps. Donc, en étant ici, nous, à Lourdes, nous avons une pensée pour nos camarades restés sur la région parisienne. Parmi les lieux importants ici au pèlerinage militaire international de Lourdes, on l'a déjà vu, il y a bien sûr la grotte, les célébrations, mais aussi le camp militaire et les terrasses des bars et restaurants, moments incontournables où résonnent des chants de militaires du monde entier jusque tard dans la nuit. Des frères d'armes qui se rappellent, qui échangent leurs souvenirs d'opérations extérieures, d'OPEX. Au cours de celle-ci, une présence discrète est aux côtés des soldats, celle de l'aumônier militaire. On a suivi un padré en OPEX. Derniers instants de préparation avant la messe dominicale pour le père Johan Delplanque. Il fait plus de 44 degrés dehors et sur les bancs, les fidèles ont délaissé le confort de la climatisation pour ce temps fort de la semaine. Dans la chapelle du camp militaire, les grades disparaissent le temps de la messe
et le padré, comme on l'appelle ici, accompagne les soldats dans leurs prières. La difficulté qu'on a en étant en opération, c'est qu'on est loin de nos proches, loin de nos familles. Et par moments, c'est un peu difficile. Donc ça nous permet d'avoir une écoute et d'apaiser un peu les cœurs et de se retrouver dans une spiritualité qui nous permet de poursuivre la mission et d'aller jusqu'au bout en sérénité. Je pense que c'est des moments de réconfort, des moments de prière, des moments de communion. Les soldats pensent à leurs épouses, à leurs enfants. On entend souvent des militaires dire que l'OPEX, l'opération extérieure, c'est un peu comme un temps de retraite. Ici, près d'un millier de soldats français travaillent jour et nuit au service de la mission Barkhane. Dans ce rythme intense, le padré célèbre la messe tous les matins à 7h. Alléluia, alléluia. C'est vraiment ici que je viens chercher de la force, la présence du Seigneur dans ma vie et pour ce camp, pour tout ce qu'il y a à vivre dans ce camp. Et depuis sa dernière mission au Tchad, bien des choses ont changé. Cette poutre-là, où, avec la parole de l'Écriture, c'était le fronton de la chapelle auparavant. Je pense que c'est aussi une manière de reconnaître l'importance de ce lieu spirituel, de ressourcement nécessaire pour les hommes. Ce matin, une quinzaine de militaires a rejoint le bureau du Père Joanne. Le Père Delplanque est un des seuls à pouvoir organiser des sorties à l'extérieur du camp. Une véritable bouffée d'oxygène pour ses soldats. Dans le camp, on voit vraiment tout ce qui est opérationnel et on ne voit pas spécialement ce que c'est que le Tchad. Et là, ça nous permet de sortir et de voir où on est. Lors de la journée des nouveaux arrivants, il a dit qu'il cherchait des volontaires pour l'accompagner. Et dès le surlendemain, je suis allé établir la liaison avec lui. Et j'ai fait, là je crois que c'est ma quatrième ou ma cinquième sortie. Et de ces visites naissent des projets incroyables, comme ici dans la paroisse de la Sainte Famille. Une bibliothèque de 12 000 ouvrages et un chemin de croix, tout droit arrivé de France. Je suis déjà venu il y a 3 ans avec le père Johan. Je suis venu ici, il n'y avait pas encore toutes ces constructions qu'il y a derrière moi. Et ça fait plaisir qu'il fasse appel à moi aussi pour l'accompagner. Et ça fait 4 ans qu'on est toujours en contact et c'est pas prêt de s'arrêter. Au fil des missions, des liens forts se tissent entre les soldats et le padré. Et c'est ici, dans son bureau, que tout se joue, autour de quelques éléments indispensables. Un certain nombre de patrons d'armes. Il y a pas mal finalement de gens assez éloignés de Dieu, mais c'est des dévotions populaires, c'est des choses simples, mais qui rappellent la foi. À l'abri des regards, les militaires se confient tout au long de la journée. Il est fédérateur de ce qu'on peut appeler le troupeau habituel des brebis. Et puis en même temps, il ramène des gens à la foi, je pense, parce qu'on est, en tant que militaire, on est déjà dans un métier où on parle vraiment de la vie et de la mort, qu'on a besoin de cette ressource spirituelle et pour se confronter à ce qu'on peut vivre. C'est une expérience forte parce qu'on se sent très pauvre, mis en difficulté parfois, et donc du coup ramené à ce qui fait le cœur de mon ministère de prêtre et de ma vie de chrétien, c'est-à-dire le besoin de miséricorde de Dieu, la vie de prière. Au camp, la vie de paroisse est imbriquée avec celle de la République. Pour ce 8 mai, garde à vous et marseillaise, seule la croix du padré témoigne de sa vocation spirituelle au sein du camp. Je ne suis pas là pour faire du chiffre ou pour faire des baptêmes ou je ne sais quoi. On est tout à tous. Il y a eu la grande période des prêtres ouvriers. D'une certaine manière, on est les prêtres ouvriers d'aujourd'hui en monde militaire. On est présent auprès d'eux et disponible. Sous la fournaise du Sahel, une nouvelle journée de mission s'achève à N'Djamena. Pour le Père Joanne, elle se termine avec une messe. Il est presque seul ce soir dans la chapelle, mais peu importe, demain, d'autres militaires le rejoindront. Retour à Lourdes, au cœur du PMI, avec un autre aumônier qui connaît bien les opérations extérieures et qui connaît bien la proximité avec les militaires. Père Pascal Frey, bonjour. Bonjour Benjamin. Alors vous êtes aumônier national de l'armée de l'air. Vous êtes aussi le recteur du séminaire des armées. Tout à fait. Depuis combien de temps, père, vous êtes aumônier militaire ? Je suis aumônier militaire depuis 16 ans. J'ai effectué 10 ans dans la marine, embarqué 6 mois par an,
mais aussi le reste de l'année en hôpital militaire. Et puis après, je suis passé dans l'armée de terre et l'armée de l'air. Et récemment, j'ai fait 2 mandats au Normalie. Alors avec nous, Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, vous êtes sergent au centre d'information et de recrutement des forces armées. Et également avec nous, Valérie, vous êtes adjudant de gendarmerie du groupement des Hautes-Alpes. Jean-Jacques, vous êtes moniteur de sport de formation, vous avez été blessé en service et ça, à un moment, ça vous oblige à réfléchir à une autre trajectoire de carrière. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé pour vous. Donc après une bonne dizaine d'années en tant qu'aide moniteur de sport, et puis voilà, on se retrouve aux Invalides après un accident en service. Un joli match de hand qui se termine en fait à l'hôpital de Bégin et ensuite en centre de rééducation aux Invalides. Et donc on se dit au bout d'un moment, on n'est pas opérationnel puisque à 38 ans, on est dans la force de l'âge. On se dit, ben, on a encore parti pour quelques temps et puis malheureusement, accident en service. Il faut rapidement penser à une reconversion et surtout s'épanouir dans un métier qu'on va faire parce qu'on n'est pas encore prêt pour passer à la retraite dans une armée qui nous fait plaisir. Et puis voilà, donc réfléchir. Et aujourd'hui, je suis conseiller en recrutement. Et ce passage aux Invalides m'a donné justement quelques pistes de réflexion et puis m'a permis d'être aujourd'hui accompagnant de malades. Oui, en effet, justement. Vous êtes accompagnant au sein de l'hospitalité Notre-Dame des Armées, brancardier, je crois que ça fait plusieurs PMI hein, que vous, oui. Vous vivez. Les questions que vous vous posez quand justement vous avez votre accident, quelles sont-elles et les avez-vous partagées avec un aumônier par exemple ? Alors les questions c'est est-ce que je continue ? Est-ce que je commence de suite une reconversion pour rejoindre le monde civil ? Donc, et en même temps, il faut profiter quand même, il faut avancer parce que cette rééducation demande de l'énergie, et donc il faut se poser un moment. On a la chance aux Invalides d'avoir des aumôniers qui passent, on a la chance de pouvoir se rendre tous les jours à l'église, c'est juste à côté, et puis là au bout d'un moment on se pose des questions tant spirituelles que personnelles et professionnelles, et on se dit que ben, on pourra avoir la possibilité d'avoir de l'écoute. Ben, il y a les aumôniers à l'hôpital Saint-Louis des Invalides, et puis qui passent nous voir, et puis aussi on partage l'expérience avec d'autres malades, et là on se dit ben, il faut faire quelque chose, il faut ouvrir les yeux pour se dire que non, on va pouvoir servir notre armée mais autrement, auprès des malades et puis aussi dans un métier qui me plaît aujourd'hui en tant que conseiller en recrutement. Valérie, alors vous, en mars 2015, vous connaissez une situation très compliquée, très difficile. Vous êtes dépêché sur les lieux du crash de la Germanwings, oui, hein, qui a fait 149 morts. Voilà, donc c'était au sud des Alpes françaises. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Quelles sont les questions que vous vous posez ? Vous êtes profondément touché par la situation. Dans un premier temps, je suis assez... Je me réjouis de la situation parce que professionnellement, ça m'apporte quelque chose. Mais après réflexion, je suis dans la culpabilité où là, je me dis, je me réjouis de quelque chose de relativement grave et je me pose des questions à ce moment-là. Quel genre de questions ? Je me dis, pourquoi cette réjouissance par rapport à cet événement qui est très grave, où il y a des familles qui sont en deuil. Et moi, je me réjouis et j'ai cette culpabilité, en fait. Et là, je me remets vraiment en question. Et j'ai, grâce à ma famille, mais aussi grâce à l'aumônier militaire, le père Trush, à qui je me suis confiée, grâce à lui, j'arrive à me dire ce que j'ai fait, je devais le faire. Quand on est sur cet événement, ben, malheureusement, on cherche la vérité. Et pour les familles, pour essayer d'apaiser la douleur de ces familles. Et dans ce sens-là, j'ai compris que ma mission, c'était de tout faire pour essayer d'apaiser le plus possible les familles. Finalement, elle vous ramène à l'importance de la relation avec les familles, du lien avec les familles, et aussi du lien avec Dieu, puisque dans votre itinéraire, après cette situation, vous décidez de recevoir le sacrement de confirmation. Tout à fait. L'année dernière, donc, j'ai décidé de participer à mon premier pèlerinage à Lourdes et justement d'arriver à cette confirmation pour pouvoir me dire, bah oui, ce que j'ai fait, je suis contente de l'avoir fait, j'ai pu apporter et je confirme par la foi ce que je suis, ce que j'ai toujours cru et voilà. Père Pascal Frey, quand vous entendez Jean-Jacques, Valérie, vous avez une grande expérience aussi des opérations extérieures, des accrochages et puis également de la visite de soldats blessés et sérieusement en hôpital militaire. Que faites-vous à ce moment-là ? Que dites-vous face à des situations parfois irréversibles hein, sur le plan santé et très compliquées pour ces soldats ? Je crois que la première chose est de donner du temps aux personnes sans forcer une parole.
En donnant du temps, on marque du respect. Ensuite, dans un deuxième temps, si la personne le désire, si elle est libre, elle peut se mettre à parler et à raconter ce qui s'est passé. Alors il y a des émotions qui surviennent, des constats personnels. Et en tant que prêtre, c'est la richesse vraiment de notre foi, c'est que face à un traumatisme, les gens sont souvent bloqués sur le traumatisme. Ils ne pensent pas au lendemain. L'événement remplit complètement leur cerveau. Le propre de notre foi chrétienne, c'est l'espérance, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire « un demain est possible ». Et cette espérance peut être nourrie, portée dans la prière, mais aussi dans l'accompagnement, dans le dialogue, dans l'écoute. Et là, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre dans un cœur. C'est compliqué quand même de trouver les mots dans ces situations-là, comme vous dites, pour garder l'espérance, pour dire « il y a un lendemain, il y a une vie après ». Comment on trouve les mots comme aumônier ? Alors, je l'ai vu plusieurs fois avec des soldats blessés. Il faut laisser les différentes étapes du processus de deuil se faire. C'est pour ça que cela demande du temps. Et puis, arrive un moment où la personne se pose la question, où on peut l'aider à se poser la question, que veux-tu faire demain ? Comment vois-tu ton avenir, même si tu es blessé, même si tu n'y as pas encore pensé? Et c'est là ensuite que la personne elle-même va entamer un travail de progression, de reconstruction, aidée par tout un tas de personnel, l'assistante sociale, médecin, mais aussi l'aumônier, et que la personne va pouvoir parler de demain. Mais cela demande beaucoup de temps. Et puis pour le chrétien, nous avons la chance d'avoir la vie de prière, la parole de Dieu, mais aussi l'aide très riche des sacrements. Je voulais vous demander, Jean-Jacques et Valérie, quelle est la place de la prière pour vous, tout simplement ? Je vais réagir puisque je parle d'une blessure au genou, mais en 2015, j'ai au même genou une nouvelle blessure. Et là, je me dis, mais Dieu n'existe pas. C'est pas possible qu'une première blessure, on repart, on commence à faire un peu de sport et une deuxième blessure. Et je me retrouve aux Invalides, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas me rendre à l'église. Il peut pas y avoir un Dieu pour qu'un moniteur de sport tombe deux fois et puis ne puisse pas se relever. Et autour des autres malades qu'on accompagne, parce que puisque c'est un problème de genou, on tient un fauteuil et puis on conduit les malades à l'église le dimanche, mais on les conduit pas par foi, je les conduisais par nécessité pour me dire que ben, y a plus blessé que toi, tu vas y aller. Et puis là on se dit, mais ben non. C'est la foi, c'est Dieu qui nous appelle. Et en écoutant justement l'aumônier, en écoutant les homélies, on se dit, ben, Dieu existe, il faut se donner ce temps, comme vous dites, de ce deuil. Il faut ouvrir son cœur, il ne faut pas se fermer à tout, en fait. Et puis, en s'ouvrant à tout, et là, c'est là où je fais mon premier pèlerinage. Et je me retrouve avec des blessés que j'ai poussés. Et aujourd'hui, je n'ai plus mes béquilles, je n'ai plus mon fauteuil roulant. Et j'avance avec eux, on rigole et on s'en rend compte que ces épreuves, si tant est que ça soit dur, au moment où les vies sont compliquées, mais par la suite on se dit mais ça nous grandit, et ça nous grandit juste au niveau de la foi, puisqu'aujourd'hui on est content d'être à Lourdes. Et c'est plus que beau de vous le partager, puisque en restant bloqué, en ne prenant pas le temps, en brûlant les étapes, peut-être qu'on ne serait pas là. Rapidement sur la place de la prière aussi pour vous Valérie, en tant que soldat. Moi c'est tous les jours, je suis tous les jours en train de me dire ce que je fais, c'est parce que je crois en quelque chose. Et que c'est très fort, c'est vraiment très fort. Et par mon action de tous les jours au sein de mon unité, je me dis il y a toujours de l'espoir. Merci à tous les trois. On vient de l'entendre, pour certains militaires, le stress, la violence et la mort fait partie de leur quotidien, des expériences qui peuvent les amener à de très fortes expériences spirituelles. Ici à Lourdes, au pèlerinage militaire international, la réception des sacrements par les catéchumènes et les confirmants du diocèse aux armées françaises est un grand temps fort. Nous avons suivi certains d'entre eux. Tom a 18 ans et il est élève de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes. C'est dans l'aumônerie de son établissement qu'il a redécouvert le Christ et qu'il a décidé de faire sa confirmation pendant ce pèlerinage militaire. Ça me permet de faire un pas de plus dans ma foi, de devenir vraiment soldat de Dieu, pouvoir évangéliser, recevoir les sept dons de l'Esprit Saint. Et la confirmation, c'est un engagement, comme être à l'armée, c'est un engagement, les deux se lient. S'engager à vivre en chrétien dans sa vie professionnelle, pas toujours facile, surtout quand on est militaire. Et pourtant, un camarade de Tom, Mathis, a rencontré le Christ dans les rangs
et demande aujourd'hui le baptême. C'est très important pour moi puisque c'est le premier sacrement catholique. Et c'est pas n'importe où, à n'importe quel moment, c'est au pèlerinage militaire international, donc avec plusieurs milliers de militaires chrétiens. Donc c'est deux familles différentes qui se rejoignent, c'est la famille chrétienne et la famille militaire. Avant ce pèlerinage, ces jeunes ont préparé leur baptême et leur confirmation avec leur aumônier. Pour lui, c'est un défi de parler de Dieu à des jeunes très éloignés de la foi. On n'est pas confronté à des jeunes très pratiquants, des jeunes qui viendraient de familles forcément pratiquantes, mais des jeunes à l'image de la société. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas plus de 2% pratiquants malheureusement en France. Nous sommes dans un régime un petit peu d'application très souple et intelligente du système de la laïcité. Si bien que ces jeunes-là ont un regard particulier sur la foi, et cela leur est permis très librement par l'institution militaire. Ils arrivent, ils peuvent rencontrer des chrétiens, qui sont de leur génération, ils peuvent rencontrer également le padre, qui les invite à faire un chemin avec eux à l'aumônerie militaire, et puis certains, au gré de leur parcours, eh bien, peuvent demander le baptême et la confirmation. Le premier jour du pèlerinage, les près de 200 catéchumènes et confirmants sont allés rencontrer et écouter Monseigneur de Romanet. L'évêque aux armées leur a parlé de la beauté des sacrements qu'ils allaient vivre le lendemain. Les sacrements sont absolument décisifs dans nos vies. Nous avons besoin de signes sensibles, nous avons besoin de points de repère, nous avons besoin de lieux d'objectivation. Mais il nous faut réaliser sans cesse et toujours que ces réalités sont là pour nous mettre dans une dynamique spirituelle. Et que ce qu'il s'agit pour chacun d'entre nous, c'est de vivre l'Évangile. Monseigneur de Romanet a aussi profité de l'occasion pour leur donner des conseils pour prier quotidiennement, prendre 3 minutes dans la journée pour lire la parole de Dieu et en prendre 3 autres le soir pour faire un rapide examen de conscience. Si vous n'avez pas 6 minutes dans votre journée, demandez-vous jusqu'à quel point vous êtes devenu un zombie. Demandez-vous où sont vos esclavages. Demandez-vous de quoi vous devez être libéré. Demandez-vous quelles sont les priorités de vos existences. Demandez-vous de qui vous êtes otage. Très simplement. Et lorsque j'ai la grâce de pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation régulièrement, cet examen de conscience au quotidien m'aide considérablement à avancer et à faire des choix. En évoquant le sacrement de la réconciliation, Monseigneur de Romanet prépare les jeunes à la veillée du soir. Un moment très important pour ces hommes et ces femmes, à la veille de leur baptême ou de leur confirmation, l'occasion pour les catéchumènes de se confier au Christ et pour les confirmants de se confesser. Ce soir, je suis surtout venu pour me confesser de tous mes péchés et pouvoir enfin être libre pour demain pour pouvoir me faire confirmer, quoi. Après cette confession-là, je me sens prêt pour demain. Après, je suis quand même un peu stressé parce que voilà, c'est un grand jour demain. Un grand jour, la messe de l'initiation chrétienne le samedi matin commence à 10h. On retrouve un peu avant Arnaud, ce médecin militaire à 44 ans et aujourd'hui, c'est le jour de son baptême. J'ai servi dans des conflits qui m'ont permis de prendre en charge des blessés de guerre avec des pathologies traumatiques extrêmement dures. Souvent des mauvaises nouvelles à annoncer. Puis ça joue pleinement dans ma décision de ce jour, la foi que l'on peut retrouver dans les regards, dans le toucher, dans les blessures de ces patients. Pour Arnaud, comme pour Tom, Léa, Victor, Mathis et tous les autres catéchumènes et confirmants, cette messe est le moment le plus important de ce pèlerinage. Et c'est l'aboutissement, c'est maintenant. Et bah, des appréhensions, bien sûr, avec tout le monde qu'il y a. Et sinon, ouais, si on est prêt là. Le baptême que le Christ nous offre, c'est cette invitation à entrer avec lui dans cette dynamique fondamentale qui est celle d'un oui. De vivre, c'est le baptême et la confirmation. C'était un grand moment de joie et de foi.
En tant que médecin, on pense très souvent à tous ces blessés. Et d'ailleurs, parmi les baptisés, j'ai découvert ce matin qu'il y avait un patient que j'avais opéré et qui demandait le baptême le même jour. C'est une très belle chose, je trouve, de se retrouver là tous les deux. Un moment inoubliable au cœur de ce pèlerinage militaire, une grande célébration qui restera dans le cœur des baptisés et des confirmés de ce 60e PMI. Au PMI, la prière prend une large place lors des grandes célébrations, comme on l'a vu à l'instant. C'est aussi un temps de réconciliation pour panser toutes les blessures, un temps de conversion. Alors nous sommes maintenant avec Monseigneur Antoine de Romanet, évêque du diocèse aux armées françaises. Vous présidez ce pèlerinage militaire international, Monseigneur. En quoi c'est si important que la communauté, j'ai envie de dire, chrétienne des armées se réunisse ? Vous savez, il est important de réaliser combien la paix est toujours à gagner et à conquérir. La paix entre les nations, qui part d'abord de la paix entre les peuples, entre les individus et de la paix des cœurs. Vous savez, les armées, elles ne sont pas là pour gagner la guerre, elles sont là pour gagner la paix. C'est un instrument au service du pouvoir politique qui, allié à la diplomatie, dans un cadre de rapport de force, est là pour véritablement déployer la paix. Les armes, ce sont des armes de paix avant toute chose. Et cette recherche constante de la paix, nous avons sans cesse à y réfléchir, à y travailler. Nous avons sans cesse à nous convertir. Et nous avons à le faire ensemble parce que la paix, ça se vit à deux. Ça se vit à plusieurs, ça se vit dans une relation interpersonnelle. Somme toute, si nous sommes ici, c'est parce que la Vierge Marie qui nous conduit vers son Fils et celui-ci qui nous conduit vers le Père, voilà qui atteste notre commune fraternité. Et c'est cela qui est absolument décisif et qui est sans cesse à cultiver. Ces armées au service de la paix, Monseigneur, vous le disiez, elles ont besoin d'un soutien spirituel. Une armée comme l'armée française, qui sert un État laïque, a ce soutien spirituel qui est mis à sa disposition par les aumôneries militaires notamment. En quoi ce soutien finalement est légitime et indispensable ? L'homme n'est pas simplement un amas de cellules. C'est un corps, un âme et un esprit qui sont intimement liés. On ne fait pas la guerre avec des armes, on fait la guerre avec des hommes. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites la guerre, si vous ne savez pas pourquoi vous vous battez, pourquoi vous vous engagez, si la question du sens n'est pas présente, alors très vite, vous vous liquéfiez. Vous ne pouvez pas demander à des hommes de donner leur vie si la possibilité d'une dimension surnaturelle et d'une vie éternelle n'est pas présente, si la question n'est pas posée, si l'accompagnement n'est pas offert. Ce point est absolument central. La réalité la plus tragique, ce n'est pas celle de la mort, c'est celle de la mort qui n'a pas de sens. Les armées sont confrontées au quotidien à cette question incontournable de la vie et de la mort. Pourquoi est-ce que je vais prendre la vie d'un autre ? Pourquoi est-ce que j'avais accepté de donner la mienne ? Alors là, on est loin de toute idéologie, on est loin de toute posture. On est dans les sables du désert, on est dans des vallées encaissées. On se bat pour des idéaux, on se bat pour ce que porte la France en termes de liberté, en termes de dignité des personnes. Il est des motifs pour lesquels il est légitime de donner sa vie. Encore faut-il le comprendre, faut-il le déployer. Et sur ce plan, le soutien des aumôneries militaires est absolument décisif. Vous avez employé le terme de laïcité. Nous avons tendance dans notre pays à nous focaliser sur la loi de 1905 et sur l'Hexagone. Il faut réaliser que la laïcité, ça a 20 siècles. La laïcité, c'est fondamentalement une dimension chrétienne, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La grande nouveauté du christianisme, décisive, c'est précisément cette disjonction entre le politique et le religieux. Il n'y a jamais eu de séparation de l'Église et de l'État, puisque par construction, l'Église a toujours été séparée de l'État. Et les premiers objecteurs de conscience sont des chrétiens qui sont morts martyrs parce qu'ils ont refusé, dans les premiers siècles, au deuxième ou troisième siècle, de prêter allégeance et adoration à l'empereur.
Encore une fois, César est légitime, légitime pour prélever des impôts et pour organiser la vie sociale. César, le politique, n'est pas le lieu de la rédemption. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a rappelé avec beaucoup de force et beaucoup de clarté et beaucoup d'élévation au Collège des Bernardins le 9 avril dernier. Il y a cette disjonction centrale qui fait que chacun doit être dans son ordre et chacun a besoin de l'autre pour trouver sa pleine dimension. Le politique a sans cesse besoin d'être interrogé par la dimension spirituelle, par la question du sens, par la question du salut, par la question des fins ultimes. Le religieux a cette nécessité de témoigner de ce qu'il habite tout en restant à sa place. Son rôle n'est pas de prendre le pouvoir en tant que tel, son rôle est d'être une lumière et un questionnement. Et ce que nous appelons la laïcité, ce n'est que l'articulation de ces deux dimensions. Il n'y a pas de laïcité s'il n'y a pas de religion. Nous expérimentons dans les armées une manière exemplaire de le vivre, puisque dans tous les lieux où des hommes sont privés de liberté de mouvement, qu'il s'agisse des casernes et des forces armées, qu'il s'agisse des prisons, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse des internats, la loi prévoit la nécessité d'avoir accès à un ministre de son culte pour pouvoir précisément accomplir cette dimension essentielle de l'être humain. C'est ce que les armées manifestent de manière exemplaire. Alors, Monseigneur de Romanet, il y a une laïcité militaire quelque part. Récemment, le ministère des Armées a publié justement un livret sur la laïcité à la française pour l'expliquer. C'est un modèle dans les armées ? Ce que l'on constate de manière très heureuse, c'est que la manière dont concrètement, au quotidien, cela se vit dans les armées est tout à fait exemplaire. Vous savez, une des caractéristiques fortes des armées, c'est la vérité du réel. On est dans le cas d'une relation interpersonnelle d'hommes qui sont ensemble à la suite de leur capitaine, à la suite de leur colonel, de leur chef de corps, pour mener une mission au nom de leur pays, à qui il est délégué, le pays leur délègue la force militaire, qui est considérable. Porter une arme de guerre, c'est une mission très considérable qui vous est confiée. Cette réalité, elle appelle ce soutien spirituel d'une manière incontournable et de très nombreux chefs de corps, colonels, manifestent combien ils ne partiraient jamais en opération sans leur padré et sans leur médecin, qui sont les deux personnalités qui permettent à tous les hommes d'avoir un dialogue interpersonnel authentique et libérant. Une des caractéristiques de l'aumônier militaire, c'est qu'il a toujours le grade de celui à qui il parle. Mais il est là, justement, sans finalité opérationnelle directe, dans une dimension de gratuité pour humaniser toute chose, et notamment humaniser la guerre. Sans la dimension spirituelle, on en arriverait très vite à laisser des dimensions de haine se déployer, à laisser les armes et les techniques commander dans une dimension de déshumanisation qui serait tragique pour tous. Monseigneur, énormément de tensions internationales aujourd'hui sont sur le terrain religieux, en tout cas certaines d'entre elles, pour des militaires chrétiens dans l'armée française. Comment ils vivent ça? Comment ils vivent ces missions où le fait religieux prend beaucoup de place? La réalité est extraordinairement complexe et ce que l'on constate dans les relations internationales, c'est que bien souvent, la dimension religieuse est manipulée pour des raisons de volonté de puissance, de volonté de domination, d'orgueil ou d'égoïsme de tel ou tel. Prenons bien garde de ne pas amalgamer les dimensions et à bien réaliser que lorsque le religieux est mis en avant, c'est bien souvent une manipulation tout à fait redoutable. Les forces françaises qui sont engagées en opération, elles le sont au service des objectifs très clairement établis par le chef de l'État, portés par l'état-major des armées, au service des valeurs fondamentales de notre pays, la liberté, la fraternité, la dignité des personnes. La question religieuse n'est pas en tant que telle. Il convient de se libérer de ceux qui, manipulant la religion, voudraient en faire un lieu d'oppression, un lieu qui atteint à la dignité des personnes et à leur liberté. Monseigneur Antoine de Romanet, vous avez présidé la messe de la Pentecôte, messe internationale du pèlerinage militaire international, qui en somme clôt, est en clôture de ce pèlerinage. Je vous propose de la revivre en images. Avec joie. Son esprit a toutes les facultés de communication.
d'échange de relations interpersonnelles. Pour nous tous qui sommes baptisés, quelle chance de savoir que le réseau est fondamental. Pour les questions les plus essentielles de nos vies, c'est Jésus-Christ. Et une fois que j'ai le réseau, je peux utiliser la meilleure application au monde, l'Esprit. La fraternité, la paix et l'espérance constituent l'âme du pèlerinage militaire international. Une source à laquelle peuvent s'abreuver les soldats du monde entier, malgré leurs conditions parfois tragiques de mission, et cela sous le regard de la Vierge Marie. Je suis très heureux d'avoir partagé tout cela avec vous depuis Lourdes. Merci à tous les militaires et leurs familles qui ont accepté de témoigner dans cette émission. Merci à la cellule communication de l'état-major des armées et également aux différents corps pour leur autorisation de tournage. Merci à la direction du PMI, au diocèse, aux armées françaises également, et tout spécialement à sa responsable communication, Florence de Saint-Quentin. Merci également au sanctuaire de Lourdes et à toutes les équipes de KTO qui ont contribué à ce hors-les-murs. Et maintenant, on se quitte sur les images de la cérémonie d'au revoir qui a refermé ce 60e PMI.